amis, aujourd'hui pour cette vidéo, je suis en compagnie de Priscilla. Nous sommes à Castellar dans le 06, les Alpes-Maritimes. Nous sommes précisément à la pointe de la Pena et nous allons explorer l'ouvrage militaire qui s'y trouve. Allez, à tout de suite. On va pas très très bien. Désolé pour l'éclairage. En fait, si là, tu peux mettre un coup avec ta lampe, s'il te plaît. On a une petite fresque au mur. Le problème, c'est qu'avec les fréquences des lampes, là, ça scintille sur l'écran. Alors, je pense que c'est le dessin d'Amule dont on a parlé Laurent sur Facebook. Alors là, celui-ci qui est très intéressant aussi. J'essaie de ne pas se remouvre du stabilisateur. Donc, apparemment, ce serait un para-américain. Qui aurait graffé ça. Leur son nom, hein, Robert T. Fitzmaier, USA Paratroops. Donc, certainement, un présent de part. On a des textes un peu plus récents. Celui-ci, je trouve que le plafond est assez bas par rapport à. Ouais. Il y a une deuxième porte ici. On n'a pas vu celle-ci. C'est cool, hein, c'est un peu c'est un cœur de. Ouais, du palais banquette. Ouais, effectivement. Une petite fausse ambiance. Ça c'est pour moi. Je pense pas qu'il marche, mais aussi. Bon, on va dire. J'ai pas dit qu'il fonctionne, je veux dire que ça tourne. Il est ravagé. La ventilation. Là il y a un autre, je vais mettre ça. Là, ça s'arrête ici. Donc, il est tout petit. Là, par contre, ce qui est intéressant, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais essayer de faire un petit zoom. Il y a une colonie complète, là. Je n'en ai jamais vu autant.
Je pense qu'il doit y avoir un deuxième édifice. Je pense. Hein. C'est pas possible que ce soit aussi petit que ça. Je pense pas qu'il soit aussi petit que ça l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend la tranchée et puis on va. Ah oui, on va voir. Hein. On va aller voir autre chose. Vas-y. Là. Je pense que je vais la contourner la tranchée. C'est ce qu'ont dû faire les gens parce que je vois qu'il y a d'autres chemins. Bon, écoutez les amis, on va voir aux alentours si s'il y a un autre ouvrage. J'ai un petit doute parce que je le trouve extrêmement petit. Et ça ne correspond pas à ce que j'ai lu sur l'édifice. Je pense qu'il y a autre chose. Le chemin continue par là-bas, on va aller voir. Là, on est sur un poste d'observation. Donc à l'extérieur de l'ouvrage. Je pense qu'il devait guetter les abords. J'ai un petit créneau là. Donc vu de l'extérieur. Alors là on a, je sais pas si vous voyez, un système de tranchées. Bon, il y a un terrain motocross en bas, hein. Il y a pas mal de boucans malheureusement. Aux abords de l'ouvrage, on n'a rien trouvé, donc on est retourné devant ces deux abris là, enfin, ces trois abris, pardon, il y en a trois. Le deuxième ici. Je pense que c'est quoi ça? Priscilla fait une découverte. Je vais vous goûter celui-ci. Donc, ce qui m'a interpellé, c'est ça là. C'est qu'il y a un créneau ici, alors que l'entrée est ici. Et le créneau, apparemment, ça défendait juste le petit passage. Faire attention que là, ça s'éboule un peu. Hop là. Ce petit passage pardon, qui mène au troisième abri, enfin, le premier en arrivant. On va voir ce que Priscille a découvert. Qu'est-ce que t'as trouvé? Fais voir. C'est bizarre. Oh punaise, c'est pas. Alors soit. Je vais pas dire de bêtises. Mais soit c'est un ancien réchaud. Ça fait partie d'une lampe à huile parce que je crois qu'il n'était pas relié à l'électricité ici. Hein. J'ai pas vu le moteur de groupe électrogène non plus quoi. Et ça, c'est quoi? Fais voir. Je sais pas. Y a du verre dessus. Ouais. C'est zarbi. Écoute, on est avec un trésor déjà, c'est pas mal. Faut rentrer au studio, on verra. On va essayer de se renseigner un petit peu pour savoir ce que c'est quoi. Je vous tiendrai au courant pour la prochaine vidéo. Alors ça pareil, c'est aussi une relique. Ça, alors, attends, je te prends juste ça. Ah ouais. Tiens, prends-moi l'autre. Regarde, il me semble qu'il y a des inscriptions dessus.
Ou c'est moi qui ai bugué. Non, mais bon, ça c'est, ouais, ça c'est vraiment d'époque. T'as trouvé ça où, ici? Ici, oui. D'accord. Eh bien les amis, cette vidéo se termine. Donc cet été nous allons revenir ici, puisque je suis persuadé qu'il y a autre chose que ce que nous avons visité. Dans la petite colline juste à côté, j'ai cru voir un créneau, on va dire, maquillé dans la roche. Je pense qu'il y a autre chose. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, si vous connaissez les lieux, à nous indiquer éventuellement un accès, ou si vraiment il y a un autre. Dans tous les cas, nous allons quand même revenir, nous ferons une petite vidéo ici. Si nous sommes déconfinés d'ici là, nous passerons certainement même une nuit ici, parce que le coin est vraiment super agréable. Sur ce les amis, dans l'attente d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, activer la petite cloche de notification afin d'être au courant des dernières vidéos sorties. Et je vous dis à bientôt, tchou tchou.